Coucou. Comment allez-vous mes chers abonnés? Il y a ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec le grand retour du boss group coréen, j'ai nommé B2B et leur nouveau titre Outsider. Alors j'ai seulement vu le teaser avec Eun Gwang, oui je suis à mon avis je le prononce très très mal son prénom, je suis désolée. Et on dirait que c'était dans une sorte de salle d'autopsie, un peu en mode zombie. Et en même temps, un peu Sherlock Holmes, mystérieux, enquête. C'est tous des éléments que j'aime énormément de base. Tout ce qui est thriller, horreur, mystérieux, c'est ma cam, paranormal, etc. Donc là, franchement, je sais pas vraiment ce que ça va donner. Mais j'aime beaucoup B2B, déjà depuis leur début de carrière. Mais j'aime énormément ce qu'ils ont fait également dans Kingdom. Je trouve qu'ils se sont surpassés. On voit qu'ils ont 10 ans de carrière derrière eux. Tous les membres me font à chaque fois rire lors de leur télé-réalité ou leurs émissions. Ou quand ils apparaissent dans des émissions, ils vous donnent chaque fois de la patate et de la bonne humeur. Comme vous le savez, il n'y a que 4 membres qui font leur comeback parce que les autres sont en train de faire leur service militaire, etc. Mais bon. J'ai envie de vous dire, je suis déjà très très contente qu'ils nous reviennent déjà à 4. Et à mon avis, ça va être un son qui va être tout simplement génial. Et c'est parti, je vais découvrir ceci maintenant. Ah, ça fait penser à ce qu'ils ont fait dans B2B. Dans Kingdom, pardon. Oh, c'est sympa ça, Outsider, why, what, et pourquoi bibi. Lui il me fait toujours rire, il a une très très belle texture de voix, assez spéciale mais j'aime beaucoup. Il y a de très bonnes voix en même temps dans B2B. Hein. Oh Peignel, mais qu'est-ce que t'as fait dans tes cheveux? Tu redécolores quand même avec tous les problèmes que t'as eu. Mais ça te va bien. En mode mafieux, après Outsider. C'est pas mal. Il a quand même blindé, maigri, hein. Minyuk, je pense que c'est comme ça. Il a eu le Covid et tout. Ah, c'est ce qu'on voyait dans le teaser. Tu vois là, on... Ouais. En fait, ça fait penser aussi à plusieurs films hollywoodiens dans les années 80-90, tu vois. Aussi un infusé et tout. Ce orange est un petit peu en dégradé comme ça, ça lui va très très bien. C'est un orange, rose, rouge comme ça, pourpre. C'est space, mais c'est beau. Il a trop maigri. Tu vas me dire c'est normal, mais j'espère qu'il va très très bien en ce moment. Après tout, s'il fait un comeback, je pense que ça va, tu vois. J'adore cette scène. C'est classe, c'est classe, c'est propre, c'est B2B quoi. Sortez mon ami, j'arrive boire un verre avec toi. Ça fait vraiment, tu vois les vieux films en noir et blanc, mafieux, hollywoodien, je sais je me répète, mais là en noir et blanc, vous savez que j'adore quoi, quand il y a des parties en noir et blanc. Ah ouais? Mais je trouve ça très très sympa, moi. Oh, ça me fait penser au film avec un peu marrant, la zombie, là, où il est amoureux d'une humaine, et tu vois le cœur qui bat et tout, là. Oh, paf, 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 je vous abats tout, là.
J'adore ce refrain. Un péniel. J'adore toujours cette touche humoristique. Mais pourquoi tout explose là derrière moi? C'est pas normal quoi. Alors que dire sur le retour des B2B? Ben j'ai envie de vous dire, on retrouve mais carrément leur identité dans ce titre. Franchement ça m'étonne, je pensais pas ce genre de titre, mais ça leur correspond mais totalement. J'aime beaucoup ces sonorités très jazz, un petit peu vintage. Ça fait très film américain, hollywoodien, un peu dramatique, mais sans l'être. Au niveau du MV, j'adore cette fin où t'as tout qui explose et lui il est toujours là en train de regarder. Mais en fait pourquoi ça pète? J'ai peur, je vais fuir, au secours. Non, j'aime toujours cette touche humoristique chez eux et c'est très appréciable qu'après 10 ans de carrière ils restent eux, tout simplement. J'aime tellement tellement cette touche humoristique et même dans leur vie de tous les jours ils sont tellement marrants ces gars. Chaque fois je me pète la poire quand je vois des émissions avec eux parce que tu dis mais waouh, ils sont tellement cons mais marrants à la fois et j'ai l'impression que c'est moi. Bon après vous me connaissez pas dans la vie de tous les jours, vous voyez seulement à travers écran quand je réagis à mes vidéos, mais oui, mes amis pourraient vous dire, vous confirmer que je suis complètement j'ai un humour mais très très décalé parfois. Mais au niveau du MV, j'aime le fait que ils ont chacun cercle parti, mais j'aime beaucoup cette partie dans une sorte de où il y a dans la pièce où il y a le médecin légiste qui fait des autopsies, la salle d'autopsie, j'arrivais plus à venir sur le nom, et tu vois vraiment en mode zombie, ça fait vraiment penser à plusieurs films de zombies, mais également ce film zombie, je ne saurais plus vous dire comment ça s'appelle, où il est amoureux d'une humaine et que c'est un peu décalé à la fois, et le cœur qui se limite, ça m'a vraiment fait penser à ce film. Après il y a beaucoup de thèmes je trouve dans le MV, mais ça va bien ensemble, genre en mode mafieuse, puis en noir et blanc, en mode je m'en fous en fait, on fait notre truc quoi. Au début c'était vraiment une mise en scène, je trouve qu'ils ont repris un petit peu une thématique qu'ils avaient utilisée pendant leur performance sur l'émission Kingdom et c'était chouette à revoir. Je pense qu'ils ont eu beaucoup d'expérience en plus, ils en avaient déjà tellement avec Kingdom qu'ils ont utilisé dans leur comeback. Enfin, j'ai très très hâte de voir aussi un comeback au complet, mais là pour vous dire c'était vraiment très très bon. Surtout le refrain, je suis en surkiff et j'ai très hâte d'écouter ce nouvel mini-album qui est sorti sur les plateformes musicales. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié le MV, également la chanson et évidemment les garçons. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout prenez soin de vous et de votre famille, c'est ce qui est le plus important. Au revoir, bye bye, c'est Nara. I'm not afraid of the dark.